احنا شوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتتنا فاتنا بالعلم. احنا شوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتتنا فاتنا بالعلم. De la télévision. Et avec lui, l'un des derniers espoirs de l'Algérie. Nous visons à travers la démocratie une société moderne, une société extérieure, une société universelle, une société qui va nous ramener à passer en retard. سولنا هيد واتسندان غير ثاق ونتنادي قرحان اسمي كدناشد نسنان ورثحاز بغير الشقان وهدورا رايحين كل المنام يوفت هو الإنسان كارش في هذه المسؤولية ويشوف تساعد على المسؤوليات لكن إنسان مقتدر بسم الله وعلى هذا كذلك نجعله يعني تكون مقاييس وتكون يعني كذا في مورثة النقلات تفرق فروح يحريش L'Algérie est en deuil. En 166 jours, Mohamed Boudiaf avait su redonner confiance au peuple algérien. C'est l'espoir qui a été assassiné. Dernier hommage, la population force tous les barrages et pour la première fois, elle occupe la présidence de la République. Un million d'Algérois vont l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. L'opinion pense que Mohamed Boudiaf a été victime d'un complot politico-militaire. Des barons du régime se seraient ligués pour préserver le système que Mohamed Boudiaf
يرثت المبارك خسك كيس بغن غسعك السيرة تحلم مسلاك يا موسى بالفكر يخولك يتنجر الديس والشتلا ثورة استعفو مسبوغ يا Ça a bien vérité. Tout ça, c'est le contenu de la société. Et nous ne voudrons pas que l'arabité ou la vérité soit utilisée ou manipulée en vue de diviser ce peuple. De Aban à Boudiaf, combien de crimes orchestrés? Crimes, khidr, et autres. Laisserons-nous cette terre ancestrale aux mains de ces tristes sires qui l'ont plongée dans le chaos? Ou entre les griffes de ces lâches illuminés? Donc ces pouvoirs sont nombreux, ils sont entourés de secrets, leurs libérations sont inconnues. Tout cela fait que les gens qui sont en dehors du serail n'ont pas les possibilités réellement de prévoir ce qui peut se passer demain. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, la question qui se pose à l'Algérie, c'est de savoir.